Pas trop mal, hein. Ça permet de se motiver et d'être prêt à relever des défis, de faire des choses ensemble, de travailler ensemble. Parce que souvent, quand on est petit, si on fait ensemble, ça passe. Si on fait dans un état d'esprit un peu individualiste, souvent ça passe pas. Donc on verra, les joueurs sont prêts, l'équipe est prête à relever le défi. Ça, c'est un peu voilà, ça a été mon sujet un peu je me suis gratté la tête tout hier à savoir comment on aurait pu faire mieux. On a essayé quand même, on a mouillé quelques ballons sur des lancements de mardi, on faisait avec un ballon sec, après touche, parce que bon, ils sont essuyés. Et de temps en temps, on injectait un ballon mouillé pour la concentration. Mais le problème, c'est pas que le ballon aussi, c'est quand il pleut, c'est un état d'esprit aussi, tu joues un peu plus serré, tu joues plus proche et tu peux faire semblant quand il fait 35 degrés. T'as envie de jouer, donc voilà. Mais ça, c'est pas très très grave parce que demain, quand même, la météo, c'est pas non plus. C'est pas un déluge, donc ça va être un match comme quand on a joué Tarbes chez nous, c'est qu'il y avait un petit crachin ou une petite pluie à peine. Donc on va être capable aussi de se faire trois passes quand même. Ouais, mais disons, ça fait longtemps qu'on se doutait que ça allait être Rouen. On ne pouvait pas trop, mais enfin, on était quasiment sûr. Quand j'ai perdu mon troisième match à l'extérieur, je savais que j'allais être troisième, je savais que Rouen allait être second, puisque avec la péréquation qu'a eu Roval, ils avaient tout ouvert pour être premier national en jouant deux matchs de moins. Et donc ça, c'est pour moi, c'est pas très important parce que je suis troisième, mais pour Rouen, c'est une injustice pour moi parce qu'ils n'ont pas joué deux matchs qu'ils auraient sûrement gagné, mais peut-être qu'ils auraient pris des cartons rouges, peut-être qu'ils auraient blessé des joueurs très importants ou des commotions longue durée. Donc de ce fait, on savait que c'était Rouen, donc ça fait un petit moment que je commençais à leur dire qu'on allait, voilà, on avait une revanche à prendre sur eux, que ça allait bientôt arriver, qu'il fallait se préparer pour. Donc voilà, après la semaine dernière, on a bien travaillé sur eux, aujourd'hui aussi, cette semaine, on a fait du bon boulot. Maintenant, c'est dans l'autre sens. On les reçoit en premier, on ira chez eux au retour. Donc on a un peu moins de pression que l'an dernier, du coup. Ils ont un peu de carton, bien sûr. Ils sont favoris parce que tout le monde les a mis en Pro D2 depuis le 1er juillet. Donc très bien pour moi, très bien pour eux aussi. Après, on verra bien à la sortie des deux matchs qui seront en Pro D2, c'est tout. Parler, annoncer des choses, c'est facile. Après, le plus dur, c'est d'être deux fois 80 minutes sur le terrain et de gagner. Bon, on fera le point après.